Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne de Maxoul Pilote. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à Formule 1 2014, Formule 1. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos sur ce jeu. Je vais vous expliquer un petit peu le concept, mais ça a été difficile à mettre en place au niveau du record. Donc, je vous proposerai une série en 720p, 60 images secondes, et non pas 1080, puisque au lieu de faire un 1080p dégueulasse, je vous propose un 720p correct. Alors la série va s'intituler Ricardo champion du monde. Et pourquoi? Eh bien parce que nous allons tenter de battre les Mercedes tout au long d'une saison avec la Red Bull de Daniel Ricciardo. Donc ce sera une série de 19 épisodes, chacun reprenant un Grand Prix. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est une Red Bull un petit peu particulière puisque j'ai fait, j'ai modé assez le jeu. Donc vous retrouverez la liste des modes dans la description de chacun des épisodes avec le lien pour télécharger chacun des modes, dont cette livrée pour la Red Bull de cette année, que je n'ai pas trop aimé dans sa configuration réelle. Donc je me suis inspiré de la livrée Caltex Red Bull de V8 Supercar. Et là, on se lance pour notre premier tour chrono. Donc c'est une série qui sera donc commentée en différé pour deux raisons. Ma concentration pendant que je roule et pour bien vous parler de choses un petit peu plus facilement sans être bloqué comme ça m'arrive dans mes vidéos en direct. Donc on s'élance à Melbourne pour la première manche, il fait du soleil. Alors au niveau des paramètres, sachez que je n'ai absolument aucune assistance autorisée. La seule que j'ai, que je me suis autorisé pour avoir un gameplay assez correct, eh bien c'est l'assistance d'antipatinage qui est en intermédiaire. Uniquement cette amélioration, cette aide pardon, est activée. Et l'IA est en difficulté légendaire. Alors je roule actuellement avec un Logitech G27, ce qui me facilite grandement la tâche. J'ai perdu énormément de mon niveau il y a quelques jeux, on va dire quelques années, j'avais un niveau bien plus élevé que ça. Et bien le manque de pratique et le temps qui passe, on lâche un peu la série, on joue à autre chose. Et il est vrai qu'à l'époque du 2011-2012, j'y étais très accroché à la série. Donc vous aurez donc la séance de qualification qui n'est pas une séance classique Q1, Q2, Q3, mais bien une séance de 20 minutes dans laquelle il faudra faire un chrono. Alors, le premier temps est fait par Max Chilton, vous le voyez sur le haut de l'écran, et moi je vais faire mon premier tour, qui est d'abord un tour de sécurité, même s'il est loin d'être très bon. Vous voyez, je retourne en 1.27, ce qui est extrêmement médiocre. Et on va rentrer au stand et rechausser des pneus et remettre un petit peu d'essence dans la voiture pour faire un second run, et ce sera mon dernier run, puisque je ne vais pas non plus user mes pneus inutilement. Les courses sont des courses à 25%, il y aura donc un arrêt au stand durant celle-ci. La réglementation est complète, il y aura du safety car normalement, il y aura la météo extrême. Alors histoire de faire passer l'intersaison, je vous propose en fait cette petite série en attendant la saison 2015. Et ça nous permettra de discuter de la Formule 1 en temps réel et des informations existantes dans le championnat, dans la discipline pardon. Mais il s'agit aussi d'un petit challenge personnel, parce que je trouve que j'ai été très surpris par Daniel Ricciardo cette saison. Et que ça pourrait être sympa de l'amener au titre de champion du monde, le sympathique australien. Donc on verra s'il sera toujours aussi sympathique quand il se battra avec un équipier pour le titre, comme on a pu voir cette saison avec un certain pilote allemand. Donc là je me lance dans le tour. Donc vous voyez que je me perds un petit peu. Dans le début je vois beaucoup de choses à vous expliquer, tandis que la vidéo est déjà partie. Les épisodes suivants, on sera bien plus concentré sur ce qui se passe en piste. Donc je me lance donc pour ma dernière tentative. Vous voyez que ça clignote dans le rouge au niveau du carburant, donc il me reste très peu. Je roule donc avec la boîte manuelle évidemment, donc vous allez entendre un petit peu de rupteur dans certaines phases de freinage ou d'accélération, puisqu'il est, je le rappelle, difficile de s'adapter quand on a toujours eu des Formule 1 à 7 vitesses, et bien de passer à des Formule 1 à 8 vitesses, il faut chauffer les doigts sur les palettes et c'est parfois un peu compliqué. Donc il reste 2 minutes 30 dans cette séance de qualification. Et on va terminer ce chrono. Alors on m'a dit que je dois rentrer au stand évidemment puisque je n'ai plus de carburant, mais ça j'en suis bien conscient puisque je fais un tour chrono. Ici je tombe en 6ème pour le S, le gauche-droite. J'arrive à le passer en 7ème en fin de course. Ça dépend en fait de l'état des pneus, mais je le passe généralement en 6ème vitesse. Donc vous retrouverez donc bien sûr dans la description la liste des modes utilisés, notamment la mise à jour des circuits, puisque vous pouvez voir que tous les circuits
Enfin, vous le verrez au fur et à mesure de la saison, les circuits seront mis à jour avec le tabac et les pubs F1 2014 seront retirées pour des sponsors de la Formule 1. Le DRS, on va terminer ce tour de qualification alors qu'il reste moins de 2 minutes et nous faisons le troisième chrono à 2 dixièmes de la pole. Et surtout, nous sommes derrière Sébastien Vettel, notre coéquipier. Donc je décide à 1 minute 30 de ne pas relancer un tour puisque j'ai été gêné d'une part par la Lotus et puis eh ben, c'est bien la fin de la séance, donc pas la peine de se relancer dans un nouveau tour chrono. Donc on va rentrer tout doucement à notre stand pour regarder si nous sommes battus dans les dernières secondes par d'autres pilotes. À surveiller cette saison les Ferrari qui dans le jeu ont un niveau assez ahurissant dans certaines courses où elles sont un peu cheatées. Donc il faudra surveiller ça. Voilà, donc je rentre au stand, le limiteur. Pas d'assistant dans les stands, donc il faudra bien que je fasse attention à ne pas couper la ligne blanche en sortie de stand, sinon c'est une pénalité. Les pénalités sont au niveau complet, donc vous découvrez le classement. La pole pour Lewis Hamilton, quelle surprise, et surtout la décevante 5ème place de Nico Rosberg. Les Mercedes, vont avoir du mal dans ce premier Grand Prix, même si Hamilton semble déjà bien en avance sur nous. Voilà, donc la petite cinématique. Pour l'instant, tout se passe bien. On s'entend bien avec tout le monde, même notre équipier. Et voilà, on n'a pas pu faire mieux. Ce n'est qu'un début, la saison est encore longue. Je compte de toute façon sur des soucis pour les Mercedes plutôt que les battre à la régulière. Je vais essayer de faire une saison constante et arracher des podiums et des points. Même s'il y a des circuits où ça risque d'être compliqué, eh bien une saison, c'est 19 courses et il peut s'en passer. Voilà, donc on monte dans notre voiture et on va s'élancer sur le circuit. Pas de risque de pluie pour la première manche. On me lance le moteur et on me libère. Et on se retrouve donc sur la grille avec la Mercedes d'Hamilton en tête. Deuxième Vettel, donc vous découvrez un peu la livrée de cette Red Bull. Personnellement, je suis assez fan. Et voilà, et on va bientôt partir. J'ai retiré le nom des pilotes, vous les connaissez bien, vous avez le classement sur votre gauche. Les feux s'allument quand ils s'éteignent, c'est parti. Et c'est parti, je pars déjà en deuxième vitesse, puisque oui, je n'avais pas la première. La première s'engage automatiquement comparé à d'autres jeux. Donc ça, c'était un petit oubli. On prend l'avantage sur Vettel, on touche légèrement la boîte d'Hamilton. Et là on va essayer de le prendre au freinage, même si on est à l'extérieur pour le prochain droit, ça risque d'être très tendu, mais si on freine un peu plus tard, ça peut passer. Et il nous donne un petit coup de volant qui nous envoie dans l'herbe et on va perdre quelques places. On se retrouve 5ème derrière Alonso. Et Hülkenberg qui était extrêmement chaud durant ce week-end australien, il a fait une très bonne qualif. On va voir s'il va pouvoir faire aussi bien en course. Donc là on est 5ème, on est un peu décroché. Et on va essayer de faire de notre mieux pour remonter. On va essayer d'être très bon sur les freinages aussi. Puisqu'on a beaucoup à gagner sur les freins. Et au niveau de la voiture, vous voyez que tout est bien chaud au niveau des pneus et des freins. Et là on sort bien et on va essayer d'aller attaquer Alonso. On est un peu loin pour porter une attaque, mais j'ai confiance et je plonge de manière un petit peu folle et ça passe. Je ne touche pas la Ferrari qui revient vers l'intérieur, mais j'arrive à me protéger et terminer ce premier tour à la quatrième place derrière Nico Hülkenberg. Deuxième, c'est Felipe Massa qui a pris un excellent départ. Le Brésilien qui a surpris pas mal de monde avec sa Williams. Donc Hamilton, Massa, Hülkenberg, Ricardo, c'est donc... Vettel, Alonso, puisque Alonso a perdu une place, Vettel est également passé. Là, je passe n'importe comment au premier virage. C'était extrêmement limite. Et maintenant, il va falloir tenter de s'attaquer tout en gardant un œil sur les pneus à la Mini Hülkenberg et sa Force India. Donc, les 5 premières voitures, c'est 5 moteurs Mercedes. C'est assez logique en termes de ce qu'on a eu comme performance cette saison, même si j'ai un fichier qui a... Et bien retravailler les performances de chaque voiture un petit peu, notamment en augmentant celle des Williams et en réduisant celle des Ferrari, mais je vois que ça n'a fait que très peu d'effet sur les voitures de la Scuderia. Là on a bien freiné mais on ressort malheureusement très mal, on patine énormément pour essayer d'aller chercher Hülkenberg, même si là on est très très bien dans le rythme dans ce deuxième tour.
Et là, on ressort très très bien. Et on va essayer d'aller attaquer Hülkenberg à droite. En prenant l'intérieur, on met deux roues dans l'herbe. C'est très très chaud. Et au freinage, on freine un peu trop tôt. Il arrive à reprendre l'avantage, mais il est fort dans l'herbe. On reste sur la droite. On va essayer de réattaquer, mais ça ne passera pas tout de suite. On jette un coup d'œil derrière. Vettel est là. Et là, on plonge et on essaie de se faire la place. Il est deux roues sur le vibreur. Et malgré qu'il est à l'intérieur, on arrive à mieux réaccélérer pour la ligne droite. C'est très très chaud. Et personne à droite, on est passé. Alors que derrière, ça va se jouer à 3 dans la ligne droite avec Alonso, Hülkenberg et Vettel. Et regardez dans le rétroviseur de droite, c'est Vettel qui a pris l'ascendant sur tout le monde et qui se retrouve donc juste derrière moi. Et on se retrouve à la fin du troisième tour. Vous voyez que les écarts ont un peu grandi avec Massa et Hamilton hein, qui tournent extrêmement bien. Et vous voyez qu'au niveau du rythme, je gagne encore une seconde sans être à la bagarre. Et meilleur tour pour Massa. Donc là, Williams, c'est plus rapide qu'Hamilton. Donc j'ai beaucoup d'espoir à ce moment-là de la course en Massa qui pourrait priver Hamilton d'une victoire et donc eh bien me permettre de ne pas perdre trop de points dès la première course. Même si ça va être très très dur cette saison. Fin du quatrième tour. Toujours derrière Massa. On a réduit un tout petit peu l'écart. On s'est protégé aussi de Vettel, qui est à 1 seconde 4 et qui ne peut donc pas profiter du DRS, qui est activé donc depuis le troisième tour comme le veut le règlement. Et on a un bon rythme, j'étais content de la Red Bull et le moteur Renault ne lâchait pas trop de secondes au bloc Mercedes, même si je vais commencer avec l'usure de mes pneus à avoir des soucis avec ce virage que l'on vient de passer où je sors très souvent sur le vibreur. Et là j'ai fait mon meilleur secteur depuis le départ en améliorant de 4 dixièmes et je vais bientôt être appelé au stand. Voilà, on essaie de bien ressortir ici, c'est très important pour la grande courbe à gauche de garder une bonne vitesse même si on est proche du rupteur surtout en 5 et 6e. Et on améliore de nouveau de 5 dixièmes ce tour, ce secteur-là. Donc on est dans un très 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 bon tour. Et ça se voit puisque devant vous voyez tout doucement revenir dans ma ligne de mire. Alors que là j'ai failli la perdre complètement sur le vibreur. Vous voyez revenir donc Massa et Hamilton. Et le cinquième tour va se terminer. Ce tour risque d'être très 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 bon. Et on n'améliore pas notre meilleur tour en course, mais c'était un tour complet pour voir un petit peu comment se comportait la voiture sur un tour. Un tour plus tard, on a encore réduit l'écart, on est toujours un peu plus proche de Massa, et cette fois-ci on m'appelle au stand. Vous voyez que l'état des pneus commence à être dans une dégradation assez importante, et un undercut pourrait nous permettre de doubler Massa. Alors sachant que je suis premier sur la piste dans mon équipe, c'est moi qui ai toujours la possibilité de stopper quand je veux au détriment de mon coéquipier, eh bien on va rentrer dans ce sixième tour puisque regardez, Hamilton plonge, Massa reste là, donc on a une chance réellement de faire un undercut sur Massa et eh bien avec des pneus chauds quand il sortira des stands, avoir la possibilité de le doubler. On passe en mélange pauvre pour la voie des stands, ça ne change pas grand chose mais ça fait une petite sécurité. Hamilton ressort devant. Pour nous, personne nous gêne. Alors qu'on voit qu'on est prêt également chez Toro Rosso. On va repasser en mélange normal. Et on ressort à la 8e place, mais derrière Hamilton. Hamilton qui n'est qu'à 3 secondes, donc on n'a pas fait un trop mauvais arrêt. Donc vous voyez maintenant le statut de la voiture, plus de soucis, les pneus sont frais. Et dans le 7ème tour, là Massa est donc proche de rentrer. On va voir si on peut faire la différence avec ces pneus chauds. Même si là je sors encore une fois très très large, je frôle le panneau 150 mètres, qui n'est pas très utile puisqu'il n'y a pas réellement de freinage dans ce virage à droite. Le petit gauche, et là on va essayer de bien relancer la voiture. Il me manquait quelques secondes bien sûr pour avoir le DRS. Là il y a beaucoup de monde, vous le voyez sur la droite, on voit Vettel, le petit point jaune qui ressort. Et là-bas tout au bout c'est Massa. Massa qui ressort et qui doit freiner bien plus que nous pour passer ce premier droit. Donc on le passe nous en quatrième. Et on a une bonne relance. Et là je sens que mes pneus chauds peuvent vraiment faire la différence. Je sens que je suis plus rapide que Massa.
Donc j'étais à deux doigts même de passer en mélange riche pour porter mon attaque, mais comme je sais que ça n'allait pas être tout de suite, eh bien j'ai patienté. Et voyez que là, au niveau des pneus, Massa est pas mal non plus. Ces pneus sont assez rapidement chauffés. Regardez, on est 6 secondes plus rapide, effectivement, puisqu'on était à l'arrêt au tour précédent. Mais donc, on a un rythme dans le mauve, ce qui signifie que c'est notre meilleur secteur, tout tour confondu, de la course. Et là, on est pas mal, même si ici je vais sortir un peu large, c'est un peu dommage. Ça m'empêche de bien relancer la voiture et ça met surtout un peu de d'herbe et de saleté sur mon pneu gauche. Vous voyez qu'au niveau du carburant, on est toujours bon, il nous reste toujours un tour de marge. Et là, on est très très bien sorti comparé à Massa qui, avec ses pneus froids, qui a eu du mal de trouver le grip en courbe. Et j'attaque à l'intérieur le Brésilien, mais je ne vais pas trouver l'ouverture, il se défend. Et finalement, avec le prochain virage à droite, ça va passer. Même s'il reste assez proche. Et là, il me touche, il me donne un petit bump sur l'arrière. Je n'ai pas crevé lui non plus, ni de dégâts au niveau de l'aileron avant pour la Williams, même si là, il profite du DRS maintenant dans la ligne droite. Et il y avait un retardataire qui stoppait. Dixième tour déjà, on est pas mal au niveau des pneus. Ça commence à s'user, ça commence à glisser un petit peu. La voiture est bien plus agile. On prend de nouveau un retardataire dans les stands. Je pense que c'est Chilton. Et là, vous voyez, meilleur tour de Hamilton qui tourne en 1:26.6. Donc, il est une seconde au tour plus rapide que nous. Donc, à ce moment-là, je commence à me dire, on va commencer à conserver le moteur. 12e tour, pareil, Hamilton va de nouveau nous claquer un record du tour. Donc, nous, on reste très très loin. Vous voyez, 1:26.625. Hamilton reste le plus rapide. Et en deux tours, il est totalement impossible pour moi d'aller lui reprendre les 8 secondes que j'ai de retard. Donc, je vais décider de soulager eh bien ma voiture et mon moteur et le conserver, puisqu'il va falloir faire 19 courses avec ces blocs moteurs. Donc eh bien on va tout doucement rallier l'arrivée. Vous voyez que j'ai doublé sur le petit graphique, un petit point blanc, j'ai doublé Jules Bianchi qui était assez au ralenti. On n'est plus que 17 voitures, il y a eu pas mal d'abandons quand même dans cette course, vous le verrez à la fin. Et vous voyez que j'améliore encore, donc là je suis encore en train de me dire j'attaque, j'attaque pas. Et ces deux dixièmes ils font que c'est mon meilleur premier secteur depuis le début de la course, vont me motiver pendant un instant, puis je vais, je pense, dès la fin du tour, lâcher l'affaire et passer en mode safe jusqu'à la fin de la course pour éviter et la panne d'essence de 1 et la faute et l'accident de 2. Il n'y a pas trop de retardataire devant pourtant, même si là j'améliore d'une seconde mon deuxième secteur, ce qui est juste aberrant en termes de gap, puisque je ne gagne rien sur Hamilton. Je suis 6 secondes devant Vettel et à ce moment-là je me dis, eh bien, pour perdre 3 secondes au tour face à Vettel, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème. Donc je prends la décision de me calmer et bien de terminer la course en passant en mélange pauvre, ce que je vais faire rapidement. Alors que là, on va de nouveau découvrir, je crois, un tour chrono d'Hamilton qui nous a repoutré le meilleur temps. 1:26.5 pour Hamilton. Là, je dépose les armes. Je constate qu'il me reste donc un tour de carburant. Donc, je suis apte à aller au bout sans problème en gardant mon rythme. Mais dans un esprit de conservation, on va passer très vite en mode économique. Les pneus commencent aussi à glisser. Je vais faire encore une ou deux petites fautes de conduite. Vous voyez, ça commence à glisser dans les relances. Les pneus qui commencent à devenir vraiment usés, on le voit d'ailleurs à la texture du pneu. Vous voyez, 9 secondes 6, à ce moment-là, j'ai vraiment lâché face à Hamilton. Je m'avoue vaincu pour cette première manche du championnat. Alors maintenant qu'on est proche de l'arrivée, on va un peu parler de ce premier Grand Prix. Content du rythme que j'arrive à tenir, même si je suis encore bien en deçà des Mercedes, évidemment. Mais comme je l'ai dit, je vais attendre eh bien que celle-ci ait des problèmes techniques ou bien de course avec des retardataires. Et voilà, donc là je passe en mélange pauvre pour le dernier tour, histoire d'y aller vraiment tranquillement, alors qu'Hamilton lui poutre le chrono avec 1:26.4. Il est vraiment trop rapide pour moi pour l'instant. Donc je mise sur des mauvaises conditions météo, même si... En mode expert, il faut être honnête, en mode légende, pardon, pas en mode expert.
en mode légende, eh bien, quand il pleut, c'est très très difficile de garder un rythme et de ne pas bouchonner les adversaires. Et à ce moment-là, donc vous voyez Vettel 3ème, Massa donc lâché prise, il a eu un gros souci Massa, il a dû abandonner, même si Massa a l'air très fort dans ce F1 2014. Les Williams qui ont du mal de tenir la distance sur une course, et Bottas m'apparaît aussi très agressif dans les courses que j'ai pu faire sur cet épisode. Alors j'ai voulu le faire sur ordinateur, sur PC évidemment, parce que sur console le jeu est tout simplement dégueulasse d'aliasing. Et il est bien plus beau sur PC et il est surtout modable, ce qui est l'intérêt quand même premier de la chaîne, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un jeu qui à la base n'est pas trop mauvais et qui est une bonne base pour le modding. On peut se faire des skins personnalisés, on peut personnaliser les circuits. Il y aura d'autres circuits qui vont être ajoutés bientôt, des circuits d'anciens épisodes. Et c'est la victoire, voilà, vous le voyez, Lewis Hamilton a remporté ce premier Grand Prix, donc 25 points pour le pilote anglais, et au passage le meilleur tour en course en une 26-401, donc voilà. Et nous on cueille la deuxième place alors que Vettel nous remontait dessus, vous le voyez juste derrière nous. Et donc les deux Red Bull sur le podium, donc c'est pas mal au niveau constructeur, sachant que Rosberg, eh bien, n'est pas là, n'est pas parmi les premiers. Vous découvrez donc le classement, le podium pour les Red Bull, et eh bien Rosberg qui ne termine que 7ème. Et Romain Grosjean qui met des pneus, et donc au niveau des abandons, vous voyez qu'il y a eu pas mal de monde, notamment Massa et Pastor Maldonado, et les deux McLaren hein, qui ont abandonné. Donc les deux Williams et les deux McLaren hors course, ça va être très difficile. Et je pense que on va, alors que Adrian Sutil a mis un point pour Sauber, je pense qu'il y aura des points pour Marussia, Caterham et nos amis du fond de grille d'ici la fin de la saison, et on va découvrir la petite cinématique. Voilà, il est content, notre ami Ricardo. Il fait une bonne affaire au championnat. On débute du bon pied. Et voilà, Hamilton très content. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode de ce championnat sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de ces courses. Allez, salut!